Mon père, lui, comment dirais-je, c'est aussi mon maître. Mon père, il s'appelle le docteur John Young. Et lui, il est blanc. Beaucoup plus blanc que moi. Monsieur Watton, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce vin a-t-il coulé sur ma barbe? C'est insupportable et je m'en vais tout de suite. Au revoir. Non, je ne jetterai aucun de vos esclaves, monsieur Watton. Regarde-moi bien dans les yeux. Est-ce que tu te rends compte du mal que tu as fait? Voici un mot. Prends-le, je te dis. Tu vas aller voir le gardien de la prison de Vicksburg et tu vas voir ce qui va se passer. Attends. Voici $1. Ce n'est pas pour toi. Tu vas le donner au gardien de la prison. Et après, tu reviens me voir avec le mot qu'il aura écrit. Et ça, avant midi. Donc, il y a un mec dans la prison. Non, mais tu verrais comment il gueule. Le mec, je crois qu'il est rentré dans la prison. Il a donné un mot au gardien. Et puis, il lui a dit, ouais, tu sais, faut que je récupère une malle. Et puis, en fait, le gardien, bah lui, il comprenait rien. Et puis, il a dit, mais une malle, quoi, une malle, je comprends pas. Et puis, comme l'autre, il insistait, bah, il lui a dit, bon, bah, d'accord, t'as qu'à me suivre. Et puis, je vais te donner une malle, tu vois. Mais c'est tout un tas de provisions pour tenir plusieurs jours. Et ils nous disent, ben, restez dormir là cette nuit. Et pour la première fois, on dort sous un toit. Et le lendemain, ils nous disent, attendez, avant de partir, on vous donne un conseil. Vaut mieux, hein, marcher le jour et vous reposer la nuit. Quand je pense à ces chiens évangéliques, quand je pense à ces vendeurs d'esclaves qui prient Dieu toute la journée, quand je pense à ce pays, les États-Unis, qui se dit pays libre, et bien là, je ne sais pas, mais ça me redonne de la force, et je dis à ma mère, on y va !